Salut les cocos, bienvenue dans l'Instant Bien-être, l'émission qui vous veut du bien. Tous les mercredis à 18h, on parle cocooning, spa, remise en forme et beauté. Et j'en profite évidemment pour vous souhaiter une belle année, pleine de bonheur et de bien-être évidemment. Et surtout, surtout, sentez-vous bien dans vos baskets. Alors justement, ce soir, en parlant de baskets, on se sent un peu ballonné, n'est-ce pas? Les fêtes sont passées, vous aussi, avouez-le, vous avez abusé du chocolat, craqué sur la bûche. Eh ben, ce n'est pas grave, c'est la diététicienne nutritionniste qui nous le dit, pas la peine de culpabiliser, écoutez-la. Post-fête, l'assiette idéale, on va dire, c'est à base de légumes, faire un petit bol de potage éventuellement, deux œufs au plat avec une ratatouille et une salade d'endives. J'ai mis le petit citron pour faire un jus de citron détox, petite astuce digestion. Donc là, j'ai mis un produit laitier et manger ces fruits dans l'après-midi sous forme de goûter. Parce que l'équilibre ne se fait pas sur un repas, il peut se faire sur la journée, voire sur la semaine. Les excès, ben, on en fait toute l'année, mais cette année particulièrement, il faut savoir aussi se faire plaisir. Mais il faut être un peu dans le contrôle si on veut faire attention à son poids. Je dirais qu'il faut peut-être essayer de mettre son organisme un petit peu au vert, hein. C'est un terme que j'utilise, mais bon, c'est pas non plus la diète, parce que surtout pas de faire de jeûne, parce que votre corps va au contraire pas comprendre ce qui se passe, et le jour des excès, et ben, il va tout restocker. L'équilibre alimentaire, en fait, il va passer par aussi un repas avec une protéine, parce que la protéine, c'est capital pour sa masse musculaire. La digestion des protéines augmente la dépense calorique. Donc une protéine dépense beaucoup plus de calories que la digestion. Là, vous prenez une soupe, une assiette de légumes et une pomme, ben, c'est que des fibres et que des sucres. Et là, vous allez stocker, même si c'est que des légumes et des fruits. Il faut garder des quantités raisonnables. On va commencer très tôt à l'apéritif et puis on va finir peut-être tard avec des digestifs ou autres, ou des cocktails. Tout ça, c'est des calories vides parce que ça sert à rien dans notre corps. C'est du plaisir. Quatre verres, on va dire que c'est peut-être une coupe de champagne et puis trois verres de vin. Et ça fait 320 calories. Ben, 320 calories, il va falloir faire peut-être une heure et quart, une heure et demie de marche. Si vous voulez après être mieux et puis pas stocker en graisse, et aller marcher une heure et demie. Il faut surtout pas culpabiliser même quand on est dans un mode régime où on veut perdre du poids. Et déculpabiliser parce que ça sert à rien. Donc, bonne nouvelle, pas de diète, ce n'est pas la peine. En revanche, on reprend de bonnes habitudes alimentaires, un bon équilibre et surtout de l'activité physique. D'ailleurs, ça c'est une bonne idée, ça, si je me mettais au sport en 2021, ça serait ma bonne résolution pour cette nouvelle année. Alors justement, les bonnes résolutions, ça vient d'où? Comment on s'y prend? Pour nous expliquer tout ça, nous avons ce soir deux invités, pas un, mais deux. Donc d'abord Sophie Pourny, qui est coach anti-brouillard pour mieux nous éclairer sur le chemin de la vie. Et puis Daniel, alors rappelez-moi mon nom, Madel Rieux, votre Olivier. Nom. Olivier, bon super, Olivier Madel Rieux. Donc... Et nous avons aussi Monsieur Madel Rieux, vous êtes préparateur mental pour les sportifs, mais pas que. Alors ma première question s'adresse à vous, Sophie Pourny. Faut-il prendre de bonnes résolutions, des résolutions pour la nouvelle année? Alors, si je peux me permettre d'être cash d'entrée de jeu, le « il faut » déjà, c'est pas bon, parce que c'est une injonction. Et en fait, des injonctions, bah, on en a tout le temps. Encore plus en ce moment. Donc les injonctions extérieures, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'obligation et ça ne va pas vous donner envie d'y aller, en fait, tout simplement. Donc si ça vient de l'extérieur, déjà, ce n'est pas bon. Donc, première question, c'est est-ce que cette envie, parce que ça peut être plutôt une envie, c'est quand même beaucoup plus positif, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça ne vient pas du beau-frère de mon voisin qui va m'avoir dit « faudrait peut-être que tu te remettes au sport » ou alors on va avoir lu ça sur les réseaux sociaux ou dans un magazine. Déjà, est-ce que ça vient vraiment de nous? Est-ce que c'est quelque chose qui va venir de nous? Après, il y a des injonctions personnelles, intérieures. On se dit « il faut absolument que je maigrisse, il faut que je fasse du sport ». Absolument. Mais... C'est pour ça qu'on doit vraiment se poser la question. Et la deuxième chose importante, c'est de relier ça au sens. Pourquoi on fait ça? Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça va nous apporter, en fait? Donc, c'est vraiment l'essentiel. Une fois qu'on est reconnecté à ça, qu'on a un petit peu creusé quand même pourquoi j'ai envie de me remettre au sport, qu'est-ce que ça va m'apporter, et pas hésiter à rentrer plusieurs fois dans le pourquoi, pas rester en surface. Et une fois qu'on a vraiment exploré la motivation profonde qu'on va avoir, ça va venir beaucoup plus simplement, en fait, et ça va être vraiment relié au plaisir, au sens et à l'envie, et non plus à une injonction.
Et alors, monsieur Madelrieux, deuxième question. Une fois qu'on a défini ces bonnes résolutions, qu'on sait qu'on veut absolument maigrir, faire du sport, comment tenir ces bonnes résolutions? Ça, c'est une question très essentielle, à laquelle Richard Wiseman, qui est un psychologue professeur à la chaire de Londres, a expliqué qu'en fait, en ayant travaillé sur 3000 personnes qui prenaient une résolution en début d'année, il y en avait juste 12% qui arrivaient au bout. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Bon, je suis pharmacien, j'explique toujours ce qui se passe au niveau des neurotransmetteurs. Vous avez le cortex préfrontal, ce qui fait le tour du crâne, qui en fait va fixer nos comportements. Et nous avons une autre zone, le striatum, qui est impliqué dans ce qu'on appelle les habitudes. Et chaque fois que vous allez avoir envie de craquer sur le carreau de chocolat ou sur la cigarette alors que vous avez décidé d'arrêter, ou de regarder Netflix au lieu d'aller faire du jogging, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez le carré de chocolat ou la cigarette qui va libérer la dopamine. C'est le neurotransmetteur de la motivation, mais c'est surtout le neurotransmetteur de la récompense. Vous proposez aussi une application, je crois. On a quelques secondes pour expliquer. Donnez-nous peut-être le nom, expliquez-nous. On peut se faire aider par un coach, c'est votre métier, voire par une application qui nous permet justement d'être dans cette programmation peut-être un peu plus facilement. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si on la voit à l'écran. Ici, mentalbooster.eu. Et vous accédez au programme, vous avez donc des programmes qui sont gratuits, puis après des programmes optionnels dans lesquels vous allez recevoir tous les matins à 8h votre intention du jour. Et vous allez mettre sur les 4 domaines de vie, c'est-à-dire professionnel, relationnel, financier, etc. Et à 19h, on vous demande, l'application vous demande si vous êtes rapproché. Okay. Si vous êtes éloigné. Merci beaucoup pour ces explications. On a bien compris, les bonnes résolutions et les notifications avant, c'est pas bête pour y arriver. L'instant bien-être, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi prochain à 18h. Et n'oubliez pas, la meilleure résolution pour tous pour 2021, c'est de prendre soin de soi.